Allez, primature, nani. Na Kinshasa, nani. Bon, on est déjà gentil. Bah, tu vas plateau, donc le blâme à ma gentil, n'a qu'à tes micro. Bon, on l'a déjà gentil. Tu vas te m'asseoir, bah, tu vas te m'asseoir. Dictature. Oui. Congo central, bon, on l'a mbandou, ce qui mbandou. Mbandou, bougi bandou. Bon, on l'a eu. Tu vas te m'asseoir, monsieur. Na au Katanga, bon, on l'a kiaboula. Tu vas te m'asseoir, bah, tu vas te m'asseoir. Basana, basinagi, document la fatigue, ce bah, voter, fatigue, bah, on fait baso. Fatigue, leur doit quoi. Où t'as mis Congo central, les avoir. Le Congo central les a. C'est le tiers gentil à ton côté. Bout de la Congo central. Bane Congo, Bane Congo, Bane Congo, Bane Congo. Et pour me dire que le monsieur était député, a-t-il moi si n'est député. Il semble que moi c'est dans un métier, pas un métier. Il semble. Il y a besoin comment moi si nous sommes dans un suppléant, dans l'Assemblée nationale. Donc, bien nous avons un gouverneur, Bassin Abino, Banana Bino, Toyo Tirabino. Et moi, je veux soutenir un monsieur. Mais il est de l'UNC, tu comprends. T'es Vital Kamerhe, Vital Kamerhe, Assemblée nationale, tout mon soutien. On le faisait à qu'est-ce que je l'ai fait. Mon langue à Pembe, on a Pascal, tout ça, il y a au lobby. Vital Kamerhe a été président de l'Assemblée nationale dans ce pays. J'ai couvert les plénières. Tout le monde a la plénière, la TV, le col, la match. Pardon. Mon social plénière, il y a une catastrophe. Je suis tout à fait d'accord avec Vital à l'Assemblée nationale. Mais je suis contre les candidats de l'UNT. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui menace la population comme ça. Avant de rencontrer Bengané à Congo Central, tu as un côté. On se menace pour une vidéo où tu me. Pas une vidéo, on est soit quand on a un mot. Et une autorité. Au tel peuple. Au tel peuple Moussapi. Alors, tel peuple Narosa Labinobo. Et tu veux encore gérer dans ce pays-là. Non, Pascal. C'est pas monter qui la montagne vidéo la tête. Bah, c'est le mot. Bon, j'ai fait ce qu'on faisait à kiosque chez Serge Cabon aussi parce qu'elle refuse. La somme n'a pas de mémoire. N'a plus mis ses liens ma vidéo. Pascal, tu peux chuter. En tout cas, vous-même, vous nous avez interdit ici, malgré votre dictature médiatique. Nous a enterré. De citer son nom. Il a fait une dictature médiatique ici pour nous interdire de citer le nom de Jean-Timi. Qui ça, ça, salité aux les bandes. Coco, t'as un papa, le maillot, quand. On m'a dit, ma télévision est sur les caméras, on a aussi. C'est que beaucoup signent. Même si on a pris un compte à Zan, de bon moment, ça va te sacher dans ma cour. Non, c'est depuis toujours. Pour un compte à Zan, pour saliter, pour te protéger dans la Kati. Il faut pas la tisser, c'est vrai. Oui, c'est depuis toujours. Sur un bouteillage comme la Kinshasa, ça va te sacher dans la Kati. Non, Gentini non, gentilly, a comme ici, il y a boubou. Même les porcs, même les porcs, vivent pas aussi. C'est que ce Peter, nous allons revenir sur l'éducation. Oui, en une minute. Vous parlez de ces gouverneurs, ma télévision, de ces ministres qui placent des sponsors, leurs frères, leurs sœurs, leurs femmes. Au fait, c'est le problème de la loi. Très bien. Ce n'est pas de sa faute, c'est le problème de la loi. Voilà pourquoi moi je voulais aller à l'Assemblée nationale justement pour proposer une révision. Par rapport que à le suppléant immédiat ne soit pas toujours un membre. On parle de ça. Voilà, ça c'est la première des choses. La seconde des choses par rapport à la ville de Kinshasa, au regard des enjeux, les enjeux de la ville de Kinshasa font appel à un homme qui a le qualité et le profil de Deo Kassongo. Merci beaucoup. Entrepreneur. Non, mais un entrepreneur. C'est ce qu'on connaît un intello. Là, il est calme, là, c'est ça. Et en plus, c'est un homme qui a la confiance du président de la République. Oh. Si le président de la République n'a pas. Si le président de la République n'a pas désigné un candidat pour la ville de Kinshasa, parce qu'il n'a pas voulu trancher en défaveur de son parti. Mais on sait tous où bat le cœur du chef de l'État. Le cœur du chef de l'État bat pour Deo Kassongo parce que derrière Deo Kassongo, il y a un tas de contacts et des investisseurs qui attendent pour venir changer la ville. Cet homme a la vision d'adapter la ville de Kinshasa à l'évolution des autres villes africaines et les autres villes du monde. Très bien. Voilà. Deo Kassongo, bonne chance. Mais attention à Kinshasa, attention. Adam Bombo, les là. Faites non, attention. Bon, il faut éviter de rêver. Pardon. Adam Bombo, là, Adam. Attention. Adam Bombo, les vivants. Attention. Faites très attention, Adam Bombo, les vivants. Il y a le poids de l'âge, Peter. Faites très attention, Adam Bombo, les encore frais. Il y a le poids de l'âge, de vieux. Hein, il a pris de l'âge. Il n'a pas 82 ans. Non, il a pris de l'âge. Il n'a pas 82 ans. La vie de Kim, ça s'est gobé de sa tête. Mais la jeunesse. Congo central. Grâce mille au lot. Congo central. C'est M. Cécile. Le Mekongo. Non. Kibandu.
monsieur qui a fait ça à la population. Adressez-vous. Gaïté, la folie, Pascal. Vous êtes candidat député. On m'a mis député, on va voter yo. Pour travailler la députation. On m'a dit la gouverneur, on a moi si na yo, à l'Assemblée nationale. Tu as dit que 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 katanga as dit que tu 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 as katanga que tu as dit 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 Peter, DG. Bon été, bon je peux avoir 30 secondes. Moi qui passe ici. Vital, Vital. Vital. Assemblée nationale, nous sommes d'accord, Vital. Nous sommes allergiques à notre peuple. Nous sommes allergiques à notre peuple. Parce qu'il y a une place de route. DG, je peux Vital, si nous avons un peu de rose à présent, l'Assemblée nationale, on peut s'en attaquer à Niaka. À partir d'aujourd'hui, je suis maudit. Celui qui m'a coûté un yoté, il a tout mis le maboko. La TV rose à la présidence internationale. L'ongola motowana, qu'on a dans le Congo central. Bah, maintenant, ça sera peuple été. Bah, qu'est-ce qui sera peuple été? Peuple même au Kondi. Peuple même à ça, à quel moment, comme Fati, n'a pas été peuple. Moïse Katoumi n'a pas été peuple. Bah, député n'a pas été peuple. Bino, on n'a pas été pas si n'a pas été bino. Bisso peuple, mon colo. Bah, lui, même éducation, l'émission de l'eau, ne jouez pas avec le peuple. Nous avons tout un bino. Tu as dit que 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 tu as dit dans le sens de partir du Nord Kivu vers l'Ituri. Nous savons qu'il y a des gens qui sont formés quelque part et dans cette machination, dans ce complot pour faire jonction entre les deux groupes, et dire, vous voyez, ce n'est pas un problème du Rwanda, ce sont les Congolais eux-mêmes. D'ailleurs, ils sont maintenant en Ituri. Nous savons qu'il y a des choses qui se font actuellement, mais les Congolais ne portent pas une attention particulière par rapport à ça. Nous le savons. Et l'autre va dire, non, moi, je ne suis pas rien. Voilà, ils ont dit que ce sont les Congolais entre eux, voilà ce qui se passe là-bas. Tout cela est abordé à tous les niveaux de discussion. Nous abordons toutes ces questions-là, soyez-en sûrs. Maintenant, il appartiendra au président Salva Kiir, après toutes les consultations, de proposer une perspective. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui m'a posé la question de savoir de quoi le président dit. Déploiement. Il faut le reconnaître. Mais les informations que nous avons, la SAMI, se met en soutien de la RDC. Demandez les militaires qui sont là, ils vont vous dire. Le nombre encore réduit des troupes de la SAMI RDC, ces troupes-là sont mises à contribution. Et dans les jours à venir, lisez le communiqué. Vous allez voir ce qui va se passer. Hein. Voilà, donc, ce n'est pas comme ceux qui sont arrivés ici, l'EAC, excusez, monsieur le ministre, parce qu'il a parlé de l'EAC, qui commence dès le début, on vous dit. Dès qu'on atterrit à Goma, déjà, nous ne sommes pas venus nous battre. Est-ce que je mens? Non, nous sommes venus pour être une force tampon. C'est ce qu'on nous a dit dès le départ. Alors que ça n'a jamais été mentionné. Et on a commencé à faire des négociations avec l'M23. Samy, DRC, ne fait pas cet exercice-là. Ayez confiance. Voilà. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de tout militaire, quel que soit son rang, l'interdiction stricte et sans faille de nouer ou d'entretenir tout contact pour quelque motif que ce soit avec les forces démocratiques de libération du Rwanda en sigle FDLR. Tout contrevenant à la présente instruction sera mis aux arrêts et subira la rigueur de la loi conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans notre armée. À ce sujet, le principe de tolérance zéro est désormais de stricte application.